Je m'appelle Anthony Tingo, je suis un nouveau Bécomois d'origine française et je vous invite à voyager dans le temps avec moi pour découvrir l'histoire de Bécomo à travers ses rues. Nous arpenterons les deux secteurs de la ville pour essayer de vous apprendre les secrets qui se cachent derrière les pancartes. Pour cela, je serai accompagné de Marie-Josée Biron, professeure d'histoire au cégep de Bécomo, qui sera notre guide durant cette promenade historique. Au passage, nous avons discuté avec des résidents afin d'en savoir plus sur leur point de vue, leur expérience personnelle et surtout pour qu'ils nous racontent leur rue. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter d'en apprendre davantage sur une des routes les plus longues du Québec. Aussi connue pour sa dangerosité que pour la beauté puisqu'elle suit le Saint-Laurent sur plusieurs kilomètres, vous l'avez compris, je parle de la 138 et nous allons essayer de comprendre pourquoi elle est aussi importante pour Bécomo et pour la Côte-Nord. Suivez-moi. Bonjour Marie-Josée. Allô Anthony. Donc aujourd'hui on est sur la fameuse route 138 et je t'avoue que j'en entends beaucoup parler depuis que je suis arrivé à Bécomo. Et je voudrais savoir justement, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette route-là? Mais en fait la 138 c'est la route la plus longue du Québec par ses 1416 km. La route 138 a su une orientation est-ouest, puis la majeure partie de la route 138 aussi elle est située sur la rive sud du Saint-Laurent. La route 138 aussi c'est une des plus vieilles routes du Canada. La construction a débuté en 1951. 1400 km, c'est quand même assez impressionnant. Mais est-ce que tu peux me dire quelle ville elle relie? La route 138 relie la frontière de l'État de New York jusqu'à Kegaska. Si on parle de la route nationale provinciale, ça va aller de Québec, mais toujours jusqu'à Kegaska. C'est assez marrant parce que moi, on m'a toujours dit que la fin de la route, c'était à Natashquan. Est-ce que ça a changé? Oui, ça l'a changé. En fait, il y a un nouveau tronçon qui a été ajouté qui va maintenant jusqu'à Kegaska. Puis Kegaska, c'est un petit village de 150 habitants, donc qui est maintenant relié à la 138. Il n'y a aucune route qui mène jusqu'en Basse-Côte-Nord. Il faudrait ajouter un tronçon de 400 km qui mènerait jusqu'au Blanc-Sable. Donc, en fait, on peut juste y aller par bateau si on veut se rendre jusqu'en Basse-Côte-Nord. D'accord. Et je me posais une question, je ne sais pas si tu peux m'y répondre, mais pourquoi on l'appelle la route 138, cette route-là? 138, on comprend que c'est un chiffre pair. Oui, oui. Alors, les routes qui ont un chiffre pair, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles au fleuve Saint-Laurent. Je voudrais savoir, est-ce qu'elle a eu d'autres noms avant ou dans l'histoire? Oui, la 138 a porté plusieurs noms. Tout d'abord, elle s'appelait la route 15 jusqu'à la fin des années 70. Puis, lorsqu'il y a un échangeur qui a été déplacé à Montréal, la route a pris le nom de 138. Également, il faut savoir qu'officiellement, la route 138 s'appelle la route Jacques-Cartier en l'honneur du célèbre explorateur Malouin. Ah bon, il est breton? Oui, il vient de Saint-Malo. Ah, c'est intéressant, ça godait de chez moi. Et est-ce qu'elle a eu d'autres identifications? Tout à fait. On connaît aussi la 138 comme étant la route des baleines, puisqu'il est possible d'observer ces gros mammifères tout au long de votre trajet sur la 138. Il y a également le chemin du Roi, qui est un tronçon de 280 km qui retrace l'histoire de la Nouvelle-France.
Ah, c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle a un intérêt historique quasiment autant que, bah, peut-être pas autant, mais presque commercial. Et tu parlais de baleines, c'est intéressant parce que je me demandais, moi justement, ça m'a surpris, j'ai dû prendre un bateau pour venir jusqu'ici. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, tu dois parler de la traverse qui est entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Okay. Y a plusieurs gens qui sont surpris, qui voient sur leur GPS que la route prend fin subitement lorsqu'ils arrivent à Tadoussac ou à Baie-Sainte-Catherine. Alors, c'est la croisée du fjord et du Saint-Laurent. Alors, c'est une courte traversée de 15 minutes. Mais il est toujours possible aussi de passer par le Saguenay si jamais l'attente est trop longue ou si jamais il y a un bris sur un des bateaux. Si c'est 138, il y a quelque chose, vous passez par où? En fait, on est complètement isolé. Si jamais il y a un bris sur la 138, si jamais la route est sectionnée, la Côte-Nord se retrouve complètement isolée. Il n'y a aucun moyen de sortir, du moins par la route. Bonjour, Monsieur Jonca. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Si on est venu vous voir, c'est pour que vous nous parliez un peu de la route 138, puisqu'on a envie d'en découvrir plus sur cette grosse artère qui traverse Baie-Comeau de long en large. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ben, en fait, au départ, la route 138 qu'on connaît aujourd'hui, c'était la route 15. Je me rappelle de la route 15 qui était... entre ce qu'on appelle maintenant les deux secteurs, ou anciennement entre les deux villes, Baie-Comeau et Haute-Rive. C'était une route à voie simple. C'était assez... Boulevard La Flèche, la même chose. C'est passé à la 138, c'est passé à la route Jacques-Cartier, Boulevard La Flèche, en l'honneur de Monseigneur La Flèche, là, qui était... dont le père était assez proche de Maurice Duplessis. Après ça, on est allé avec le boulevard Pierre-Ouellette. Le boulevard Pierre-Ouellette, évidemment, c'était pour M. Pierre-Ouellette qui a été conseiller municipal à la ville de Baie-Comeau et ensuite député du comté de Saguenay dans le temps. Maintenant, on est René Lévesque. Et évidemment, par la suite, c'est la route qui reliait, cette île à l'est. Et à partir de 1958, avec la construction du pont de la rivière Berzimis, qui nous reliait à Tadoussac. Et dans ce temps-là, on parlait de Tadoussac. Vous parliez des changements qu'il y a eu sur le boulevard Ouellette, etc. Le fait que c'était à deux voies. Ouais. C'était une voie à la base, puis c'était à deux voies. C'était à deux voies. Quand on parle d'une route, qui rencontrait, comme on disait dans le temps, ça a été transformé en quatre voies. Et suite à... Il y a eu plusieurs accidents. Il y a eu un juge, le juge Claude Tremblay, qui avait pris à ce moment-là le mandat de faire construire un muret séparateur et de poser de l'éclairage sur le boulevard parce que c'était un endroit, évidemment, qui à haute circulation et où il y avait beaucoup d'accidents. À ce moment-là, il y avait eu une levée de protestation de la population qui exigeait du ministère des Transports de mettre une structure pour séparer les quatre voies, dans le fond, et de poser un éclairage. Ça a été un dossier assez important pour la population de Baie-Comeau quand on pense à la circulation qu'il y avait en premier entre les deux villes, puis par la suite entre les deux secteurs. Donc, pourquoi cette route 138, elle a eu autant d'importance pour Baie-Comeau, justement? Bien, d'un côté, elle permettait aux travailleurs de venir travailler dans les usines qui étaient situées à ce moment-là dans la partie est de Baie-Comeau. Et plus tard, ça a été, je pense, un trafic qui était un peu dans les deux sens, compte tenu que les institutions comme l'hôpital, par exemple, le cégep, les principaux services gouvernementaux étaient installés du côté ouest. Ça fait que ça a été une artère là, qui était extrêmement importante à transformer en quatre voies pour assurer là, la fluidité des gens, des travailleurs qui venaient travailler d'un côté ou de l'autre. Avec l'augmentation de la présence de la voiture, évidemment, du transport qu'on pourrait appeler presque individuel, ça amenait les élus du temps ou les concepteurs du temps faisaient des voies qui étaient des quatre voies.
Ce qu'on retrouve moins aujourd'hui, on transforme en boulevard urbain, oui, certes à quatre voies, mais ce n'était pas séparé par des terre-pleins. Il y a eu toutes sortes d'évolutions dans la construction, mais essentiellement, c'était pour répondre à la demande commerciale et au trafic qu'il y avait pour les grandes entreprises manufacturières d'un côté et l'institutionnel de l'autre côté. Vous avez entendu parler tout à l'heure de Baie-Comeau et du secteur Haute-Rive ou d'Haute-Rive comme une autre ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles étaient séparées et qu'elles se sont fusionnées, c'est ça? C'est ça. C'était des villes séparées, une qui s'appelait Haute-Rive, une qui s'appelait Baie-Comeau. Bon, je ne vais pas prendre parti ici parce que la fusion a été forcée par une loi gouvernementale et il y avait de l'émotion. Incroyable, c'était, je n'exagère quasiment pas en disant que c'était presque une guerre civile. C'était épouvantable, plein de monde d'Haute-Rive qui ne parlait plus au monde de Baie-Comeau, des claques sur la gueule. Ça a été pas le fun. Vraiment une période très, très dure. Et la fusion a été forcée. Bon, qu'est-ce qui se passait politiquement parlant? C'est que Baie-Comeau n'avait pas ou presque pas de dettes. Et c'était la place où il y avait l'argent rentré. C'est ici qu'on gagnait l'argent. Aluminium, papier, Hydro-Québec, c'était tout à Baie-Comeau, ça, là. À Haute-Rive, c'était plus une ville dortoir. Alors, il y avait, oui, t'avais la cathédrale, oui, t'avais le cégep, mais c'est pas des usines, c'est pas des choses qui donnent des gros salaires. C'est des services. Ville-service, ville-dortoir. Et par la force des choses, beaucoup de gens d'Haute-Rive venaient travailler à Baie-Comeau. Bon. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ce qui a forcé, c'est que Haute-Rive avait beaucoup de dettes. Baie-Comeau, on n'avait pas. Ben, pour le gouvernement, ben, fusionne ça de force, là, puis les autres, ils vont payer les dettes de l'autre. Puis bon, ça, c'est mon point de vue, mais je ne suis pas tellement politisé. Je ne suis pas partisan non plus. Je ne veux pas mettre d'émotion. Je ne voudrais pas que mes amis maïssent là, pour ce que j'ai dit. Mais c'est de même que j'ai senti ça. C'est de même que j'ai senti qui était un peu la source de la bébite. Quand la fusion a été forcée, ils ont mis, et tu peux aller voir, ils pourraient le filmer, quand on passe au centre-ville, là, à pas loin du monument McCormick dans son bateau, là, juste un petit peu en avant, là, il y a une espèce de croix, là, on dirait qu'il y a quelqu'un enterré là. Là. C'est une croix avec de quoi d'écrit dessus. Là. Allez lire ce qu'il y a là-dessus. C'est marqué quelque chose, je le dis de mémoire, là, ça peut être pas ces mots-là. Sigi la démocratie. C'est ça qui est marqué dessus. Là. Enterré par le Parti québécois en 1900 quelque chose. Et ça, à cause de la loi qui forçait la fusion. Ils l'ont sur le cœur et c'est là. Puis c'est encore là aujourd'hui. Maintenant, Haute-Rive, ça n'existe plus. Hein? On dit Haute-Rive par souvenir, parce qu'on appelait ça de même, puis ça ne s'oublie pas comme ça. Mais c'est Baie-Comeau, on dit Baie-Comeau Ouest et Baie-Comeau Est, c'est des vrais mots. Ceux qui disent Mingan-Marquette, ben c'était ça, mais ils ont changé ça. C'est plus Mingan-Marquette, okay. C'est officiellement, légalement, c'est Baie-Comeau Ouest, Baie-Comeau Est. C'est comme ça qu'on doit dire sur les secteurs.